la sixième journée, l'OL et le PSG n'ont pu se faire mieux que le match du 0-0 score final. Le PSG est 8e, l'Olympique Lyonnais, lui, est 2e. Les Girondins de Bordeaux, eux, n'ont pas su gagner, défaite 2-0 grâce à un doublé de Cavani. La Saint-Ajax, 3e de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux, eux, sont 16e. Dans le derby du Nord, Lens s'incline 8-0. Les Valenciennes sont leaders, le RC Lens est 11e. Le FC Nantes Stade de Reims, Lens s'incline 2-0. Le FC Nantes, lui, est 15e, le Stade de Reims est avant-dernier. Le FC Sochaux contre l'AS Monaco 0-0 score final. Les deux équipes ne sont pas très loin du haut de classement. Sochaux est 6e, l'AS Monaco 9e. Guingamp, Lorient, il te rend 0 dégâts en coupé. Grâce à un but d'un inconnu, Lars Jacobsen, dans la Guingamp est 17e. Le FC Lorient, lui, est 7e. Toulouse-Lille 0-0. Les deux équipes ont beaucoup tenté sans pour autant trouver la cible. Le Toulouse FC est 5e. Le LOSC, lui, est 10e. FC Metz et Saint-Etienne 0-0. Pas comme au match aller. Le FC Metz est 2e à 5 points de Valenciennes. La Saint-Etienne est barragiste, 18e. Et enfin, pour terminer, le Stade Malherbe de Caen s'impose 1-0 contre le Sporting Club de Bastia. Les Malherbes sont 4e avec 38 points. Le Sporting Club de Bastia est dernier avec seulement 5 points. C'est très serré avec les bonus de 30 points. On ne vous l'avait pas dit, le bonus ne comptera uniquement en cas de victoire Valenciennes qui peut s'envoler ce soir en tête de la Ligue contre le PSG. Le Valenciennes n'est que 11e, le Sporting Club de Bastia lui est bon dernier. Le programme de la 7ème journée ce soir, Valenciennes qui reçoit le PSG, Lyon qui va à Ajaccio et enfin pour la terminer, à Saint-Etienne en avant-Guingamp.